Et bonjour à tous, et donc du coup, re-bienvenue ou bienvenue sur TGSC. Et donc, nous allons faire une interview du coup de Nicolas Brandon. Can you hear me now? Yes. Donc, je poserai les questions en français. Ben, ici présent, est le traducteur du coup du salon et qui sera là pour accompagner tous les guests étrangers. Va traduire en anglais pour Nicolas Brandon et par la suite il nous traduira en français pour ceux qui ne sont pas très anglophones. Donc, hello Nicolas, nice to meet you. Ça va? Très bien et vous? Ah, très bien. Oui. Okay, I should stop this immediately. Donc, nous allons commencer les questions. Je vais vous en poser une. First question. Okay. First question. Buffy a été 6 ans de votre vie. Comment on s'en sort après tant d'années passées avec une aussi grosse équipe? Et est-ce qu'on arrive facilement à passer à autre chose ou alors on reste un peu quand même confiné dans ce groupe-là? Buffy the Vampire Slayer has been six whole years of your life. How was it to leave that family to start something new after spending so much time with such a crew? It was 8 years of my life. 8? Because we had 7 and then as a whole year before that. So it's tough. I still mourn it. Like, I'm not good at saying goodbye. And I have dreams that they're going back to shoot a season 8 and I'm not invited. And then I sneak on to set and security finds me and they kick me off. Alors, techniquement, en fait, ça a été 8 ans, ça n'était pas uniquement 6 ans, voilà. Et d'une certaine manière, ouais, c'était très très difficile parce qu'il n'a pas, même encore aujourd'hui, pas vraiment terminé de faire le deuil de la série. Il fait encore aujourd'hui des cauchemars où, imaginant que l'équipe est en train de tourner la saison 8, qu'ils l'ont pas prévenu, qu'ils l'ont pas invité, que la sécurité le sort de force. You want to hear a crazy story about a dream? Tell us. So I have a twin brother, identical twin. His name's Kelly. And so I had this dream about like 7 or 8 years ago that I've had since I was a kid. I probably had it 5 or 6 times in my life. And so I tell Kelly that, like the day after I have it, and I'm like, Kelly, I had this dream last night that when I have it, it's like I'm in a really happy mood when I wake up. And I've had it since I was a kid. I've had it 5 or 6 times. I said, I walk up these stairs and then I open this door on the second floor and it's this big empty room with hardwood floors. And then Kelly says, is there an elephant in the corner? And he's like, and then do you float over to, you don't walk, you don't float, but you just kind of float kind of over to it. And then you get really close to where you can see the elephant's like skin patterns, but you can see everything else around you too. And I'm like, screw you, man. We have the same reoccurring dream. That's crazy. Because your dreams, man. That's nuts. When he said, is there an elephant in the corner? I'm like, get out of my head and into my car. Alors ce qui est dingue par rapport au rêve un petit peu dingue donc comme celui du tournage, c'est qu'en fait il y a quelques années, il a eu depuis qu'il est tout petit, en fait depuis qu'il a 6 ou 7 ans, il a fait un rêve assez récurrent qu'il a eu à voir 5 ou 6 fois dans sa vie. Un jour il en a parlé donc à son frère jumeau, parce que oui il a effectivement un frère jumeau qui s'appelle Kelly. Il lui dit, putain mais mec, j'ai fait un rêve de malade, je l'ai fait 5 ou 6 fois, je suis genre, en fait je montais un escalier et j'arrivais à l'étage de la maison et j'ouvrais une pièce vide avec un grand parquet, et là son frère l'arrête, dit, est-ce qu'il y avait un éléphant dans la pièce? Et lui, et quand tu t'approches, tu vois comment tout le détail, etc. Éléphant. Oh, easy. Et tu vois le tout détail, mec, sérieux, sors de ma tête, quoi. Et voilà, c'est assez dingue d'imaginer, voilà, qu'ils ont eu plusieurs fois exactement le même rêve. Effectivement. That was a nice one. It's nuts. Yeah. And second question. Yes. I'm gonna see if I can do something. Go. Il va actuellement avoir un reboot de Buffy. Ok. Que pensez-vous, du coup, de l'idée de faire un reboot de la série de Joss Whedon? Et est-ce que vous avez été contacté pour faire un petit caméo ou quelque chose comme ça? Wait. Have I been contacted about the reboot? Yeah. I heard cameo as well. Yeah. Is cameo a French word? Because it's. Yeah. So no, I've been in contact with the woman who's writing it because I pitched her a storyline in case she didn't have one, and that would be that Dark Willow is the big bad. And she's pretty much been bad since we blew up Sunnydale. And it's just, she's run havoc. And I have an opening shot where it's just, a Vlad the Impaler. He used to put heads on top of sticks. And it's just a bunch of sticks with heads on top of it. And we're kind of like, the camera's like panning through. It's just, it's dark. And then it goes anyway, that's how it starts. But I don't know how they're going to do it. I would love to do it if they asked. I think Xander makes the most sense. So, yeah, I've not been told one way or another.
Alors non, il a ni été contacté ni pour faire un caméo ou quoi que ce soit. Il avait proposé une idée parce qu'il était en contact avec la personne qui était en charge de l'écriture de la série. Il a proposé une idée en fait qui partait sur le principe d'imaginer que Dark Willow en fait était le bad guy de la série et qu'elle en fait elle l'avait été à partir du moment de la destruction de son idée à la fin donc de la série d'origine avec une scène d'intro très très sombre un peu à la Vlad l'Empaleur avec donc, plein de pics et des têtes avec un plan qui passait entre les têtes dans quelque chose de très très sombre. Apparemment c'est pas forcément le ton sur lequel ils sont partis, mais voilà, à part ça non. Il a proposé une idée vu qu'il était au scénario des différents comics qui sont sortis depuis la fin de la série. Donc il a proposé l'idée qui n'a pas été retenue, mais non, il n'a pas été contacté pour un caméo ou autre chose. Ok, très bien. Thank you. You're welcome. Let me see if I get this. Now, it's time for the third question. Alors, trouvez-vous que nous pouvons ressentir le style de Joss Whedon dans le style qu'il avait pu insuffler à Buffy, qui lui a donné tant de célébrité? Est-ce que vous pensez que sa patte, vraiment son style artistique, se ressent à travers ses œuvres telles que Avengers ou alors les pré-shots de Justice League? How has the show stayed artistic after all these years? No, it's since you've been so close to Joss Whedon, yeah. And you've seen like firsthand his style and his creative process. As a spectator, like, do you see it in all the other projects that he has, like in Avengers? Do you feel the Joss Whedon-ness of the project? Yeah, he's got. He has a particular way of. Okay, did you terminate the show? He has a particular style of writing, and he doesn't allow things to get too tense, and then he'll kind of make you laugh, and he'll also blindside you by killing somebody. He taught me a lot in Hawaii, right? You know, and also you know, he wrote Firefly for me. I was supposed to play the captain in that, yeah. Like, I got to work, it was season 7, I think, and they're like, Joss wants to talk to you. And I'm like, what did I do wrong, you know? And then so he's like, hey, Brendels. I'm like, what's that, Joss? He's like, I want you to know I'm writing a TV show for you. It's a Western in outer space, and I want you to play the captain. I'm like, all right, cool. But then Fox wanted it sooner, and then Nathan Fillion got it. Bastard. I feel... It's okay. It's okay. I was doing a good show at the time, so... Yeah, but no, Joss, he changed my DNA. In a good way. Alors, d'une certaine manière, oui, il le ressent parce qu'en fait, Joss Whedon a toujours cette manière de ne pas laisser la tension se poser trop longtemps, de toujours trouver des moyens de décaler de l'humour dans des moments, ou alors tout simplement de prendre le spectateur par surprise en tuant un personnage sans prévenir. Ce qui est très, très, très drôle, c'est qu'en fait, il se rend compte que la série Firefly qu'il a écrit, à la base, il l'avait écrit pour Nicolas. Il l'avait écrit pour lui, c'était courant à saison 7 de Buffy à ce moment-là, en cours de production, il a dit, tu sais quoi, je suis en train de t'écrire une série, c'est un western dans l'espace. L'inconvénient, c'est que la Fox ensuite a voulu lancer la production plus tôt et n'était pas disponible à ce moment-là, donc Nathan Fillion a dû prendre le personnage, mais à la base, il était écrit pour Monsieur Brandon. Oh. Mais quoi qu'il arrive, Joss Whedon... OUI. Voilà, mais Joss Whedon a définitivement changé sa manière d'écrire, sa manière de voir la narration. Did you watch Firefly? Yes, of course. I didn't see it, because I was upset, you know? Yeah. So I didn't know how Nathan played it, but... Like how different would the show have been if I had played the captain? On my opinion, like Nathan Fillion was very well. Nathan Fillion, right? I mean, like it wasn't really acting; it was like being him, right, in the character. True. With the hair. Yeah, you would have had like a total other take on the character, I think. Yeah, I would have been like, "Hi, everybody, I'm here. Let's do this." Non, je pense qu'effectivement, et comme il le dit, voilà, s'il avait interprété le personnage de Nathan Fillion interprété dans Firefly, la donne aurait été complètement différente. Nathan Fillion était presque trop Nathan Fillion. Effectivement. Another question. Oui. Dans le personnage qu'est Xander, donc du coup dans la série Buffy, est-ce qu'il est devenu au fil des saisons, est-ce que vous avez insufflé un peu de votre propre personnalité dans ce personnage? Parce que, genre, par exemple, réadapter certains dialogues, ça vous correspond beaucoup plus. How much of my personality is in Xander? Yeah, by the end. Oh, yes! You did right. You got it. Wow, I'm proud of myself right now. About 80%. It's a lot, because with a TV show, what writers do is they'll stay downstairs on set a lot so that they can get the cadence of how I speak. Or how Willow speaks, so it's easier for them to write. So a lot of it was that, and a lot of like obviously like the timing. I'm not a carpenter. I don't like doing any of a bit like that. I didn't really ever read a comic book. So like the kind of like more of the specific nerd stuff
We're not, but no, but the sense of humor and yeah, was yeah. So 80-20. En fait, oui, il a pu mettre beaucoup de lui-même de par sa participation à la série, mais aussi de par le fait que les scénaristes en fait étaient souvent présents sur les plateaux de manière à savoir exactement comment les acteurs interagissaient les uns avec les autres, s'adaptaient en termes de pattern, en termes de phrasé, en termes de vocabulaire, pour que les personnages et leurs textes soient d'autant plus naturels. Alors tout ce qui était typiquement geek et tout dans le personnage de Xander, tout le côté les lire des comics, etc., quelque chose qu'il n'avait pas, donc quelque chose qui était purement fictif et qu'il apprenait pour le personnage. Mais après, non, par la fin, en termes de phrasé, en termes de manière d'être, c'est 80% de Xander, c'était lui. There was a line in episode 2 that it was beautifully written and it defined. I'm like, oh, I know how I'm going to play this character. And it was, I laugh in the face of danger and then I hide until it goes away. And so when I read that line, I was like, oh, I got it. I Très bien. Nous allons faire une cinquième question, puis ensuite nous allons passer aux questions du public. Oui, la régie en fait me signale que je vois les questions effectivement. We have questions I thought we've been canceled. Donc oh. Ouais. Already? I don't know. Une dernière question, puis ensuite nous allons prendre les questions du public. So the comics? No. One question, then we go to the... Yeah. Oh, okay, my bad. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une série, une autre série dans un autre style ou autre, même une ou plusieurs, que vous auriez vraiment aimé jouer dedans, un personnage secondaire, même principal ou secondaire? Series? Is it about the series? It's like a show. Is there a show on the air like today in which you would love to play? Bob's Burgers. Bob's Burgers? Bob's Burgers. There are four shows that I love right now, and they're all cartoons, and I don't even like cartoons. Bob's Burgers is my favorite show, period, hands down. Have you seen it? The name doesn't ring a bell. It's and then Archer. Yeah. BoJack Horseman. And Rick and Morty. BoJack is interesting because you can only watch BoJack once, because it's like an opus on mental health. It's beautiful. But Bob's Burgers is just hands down my favorite. A priori, voilà, si devant changer une, ce serait Bob's Burger. And Charmed. Voilà, I'm joking. Qui est une série, qui est une série qui ne me parle pas. Alors voilà, s'il y a des fans, voilà, n'hésitez pas à chercher le nom et vous, ça doit vous parler. Sinon, c'est beaucoup de séries d'animation, BoJack Horseman, Rick et Morty, évidemment. Voilà, donc des séries d'animation dans lesquelles, ouais, il adorait travailler. Bon, et Charmed, mais enfin non, ça c'est plus une blague à part. Et aucune série, par exemple les dernières séries tendances telles que HBO, enfin celle de HBO ou autre. Any live show. Yeah. Oui. Let's see here. No. No. Nothing. I think a lot of it, when you're an actor, so the reason why I love Bob so much is that I'm able to kind of get lost in the fantasy. But when you do it for a living, it's easy to pick things apart. You know, and so I can't get as lost. That's why I like watching like French TV with subtitles, because I can get lost in it more than an American situation. But there's nothing right now with live actors that I'm really that into at all. En fait, l'avantage de l'animation, c'est qu'il peut vraiment se perdre dans la fiction. Du fait d'être un acteur et d'avoir connu l'envers du décor, il n'y a pas de série qui le fait rêver dans le sens, bah, ça je sais comment ça se passe, ça je sais. Il arrive à décrypter ou à démembrer un petit peu la série, démonter la série, et ça fait perdre une partie de la magie. L'animation lui permet de se perdre complètement dans la fiction. I mean, the last show I watched, it was BBC in France. It was called The Tunnel. It's a French and English show, but it's called The Tunnel, there's a body that's right there, cut in half, yeah. And then there was one. Shoot, what's it called? There's another BBC cop show with a woman, Happy Valley. I really enjoyed that. And then also there was one, Top of the Lake. Yeah. So those. But that was a binge watch. Yeah. So yeah, but nothing that I'm like, oh, it's Wednesday, I can't wait for. Like, I don't watch Game of Thrones. I don't watch Stranger Things. Like, to me, the Stranger Things thing, I'm like, come on, it's fine. It's not changing the world. I mean, they got like 16 or 17 Emmy nominations. What? We got one. In the 7 years we were on TV, we got one. Yeah. Yeah. Ça, c'est non, il n'y a pas vraiment de série qui le marque. Bon, aussi, voilà, il y a Top of the Lake qui a beaucoup plu. Donc, il y a une série franco-britannique qui s'appelle The Tunnel qui a beaucoup plu aussi. Des séries policières britanniques. Mais voilà, après, il n'y a pas vraiment de série
pas des séries, il n'a pas regardé le Trône de Fer, Game of Thrones ou Stranger Things. Il est surpris que des séries de genre aient autant de renommée, autant de nominations aux Emmy. Genre Buffy, en 7 ans d'existence, n'a eu qu'une seule. Alors que Stranger Things, qui est une très bonne série, n'a pas non plus révolutionné le genre, ni apporté quelque chose de complètement différent en termes de narration, etc. Donc il est surpris, mais il n'y a pas de série qui lui fait dire « Oh putain, je suis impatient d'avoir le prochain ». And now we are going to read viewers' questions. I'm going to read. Can you read the first one? Yeah. Est-ce que Charles les comics Buffy actuels c'est quoi dans ces bad question? Okay. Est-ce qu'il lit les comics Buffy actuels? That's est-ce qu'il aime la représentation dans ses BD? That's what I said. Do you read the Buffy? Yeah. Do you read the Buffy comic? I had to, and because I wrote it. Yeah, and the new one. The other question is, how do you like the work that's been done on Xander? Interesting, because season 8 was weird because Joss even said it's weird because he put everyone on a spaceship, or he put Spike on a spaceship. So I wrote season 10, and Xander was kind of back. And like I had pitched the whole idea about Xander and Spike living together because I love that that arc on the TV show. So I don't like that I'm with Dawn. I think that's weird because she's still a 13-year-old girl, and I think we've had a baby now too. So I feel almost like a pedophile, and I do not like feeling like a pedophile. Yeah. Ça lui fait un petit peu bizarre. You can quote me on that. La saison 8, Joss Whedon a décidé d'envoyer tout le monde dans l'espace, qui était assez curieux. Il a écrit la saison 10, donc c'est vraiment M. Whedon qui a écrit la saison 10. Donc ça l'a beaucoup amusé de reprendre cette dynamique entre Spike et Xander, parce que c'est quelque chose qui avait été très très drôle au niveau de la série. Il n'est pas très fan du développement qui a été fait dans les derniers, notamment la relation qui a été écrite entre Xander et Dawn, qui est quand même encore une enfant de 13 ans. Donc c'est un petit côté un petit peu incestueux, un petit peu limite, qui ne lui plaît pas, ni humainement, ni quoi que ce soit. Donc voilà, on peut le citer là-dessus. Non, il n'aime pas se sentir comme dans son situation. De base, on n'aime pas trop. Comment on dit pédophile? Pédophile, ok. Also a French word. Wow, yeah. You guys really came up with good words. Now we have another question. Can you read it? Yes. What is it now? Toujours in contact avec les auteurs, members of the casting. Who do I still talk to? Yes. Haha, right. Thanks. Oh, did I say it okay? Les autres membres de casting. I see Charisma a lot. I see Emma. James. I'm going to see Allison in a month in Wales. I'm going to see Tony again, which is great. I miss Tony a lot. Allison, yeah, she's coming. She's coming to Toulouse for the same here in the same time. Yeah. Really? What? In 3 months. Why don't I go? Ah oui, Alison Mack, celle qui joue Willow. I mean, but yeah. I should go with her. Speak more with you. Okay. So what I say? Yeah. So yeah, I mean, and mainly because of conventions. Yeah. So I don't. Like I'll call CC and I'll call Emma from time to time, but yeah, that's pretty much it. We don't have dinner. Ah, il croise Emma assez régulièrement, donc Charisma Carpenter, Emma Colding, donc sur des conventions, sont ceux avec lesquels il a le plus de contacts. Ils ont toujours des contacts très très agréables, et c'est assez drôle. Mais en fait, c'est souvent grâce aux conventions qu'ils se retrouvent les uns les autres et qu'ils ont les moyens donc de se retrouver logiquement. Et donc ils ont retrouvé donc Alison Hannigan dans un mois à peu près au Pays de Galles. Donc encore une fois lors d'une convention. Donc voilà. Ils sont pas proches au point d'avoir régulièrement genre un petit dîner tous ensemble une fois de temps en temps, mais ils sont toujours en bon contact. Not that I'm owed it at all, but when I was going through kind of my hard time, my depression, James Marsters was the only person to reach out and say, hey, yeah, I'm thinking about you from the whole cast. Yeah, it was wonderful. Yeah. Yeah. Et James Matters est quelqu'un qui a toujours été présent, même quand il a eu de gros problèmes de dépression. C'est quelqu'un qui a toujours été présent, qui a toujours fait la démarche de l'appeler pour lui demander comment il allait, de prendre soin de lui et de voilà, se renseigner sur son humainement comment il allait. Quelqu'un qui a été proche et est présent. Yeah. It was nice though. It was fantastic. Yeah. Est-ce que I was getting into a lot of trouble there for a little bit. C'est pas si la régime en temps, nous avons d'autres questions actuellement de la part des viewers. Ce sont toujours les mêmes que nous voyons affichées. Yeah. Okay, no. Nous avons no specific new question. Nothing. Ah, okay. Est-ce que nous avons toujours le temps un peu de discuter ou pas? Je ne sais pas. Je crois que
Et nous avons passé le quart d'heure effectivement. What language are you guys speaking? It's so weird. It's like your own little language. Just one time. Yeah. Oh, okay. Like 2 minutes and 25 seconds. Yeah. Uh-huh. I know. Damn good. So, merci beaucoup en tout cas d'avoir merci regardé. Merci beaucoup. Les poissons. Les poissons. Avec amour et fromage. Yes. Donc, vous notez, il faut lui ramener du poisson, du fromage. C'est exactement. Du fromage sur du poisson. Voilà. Et ça ira, apparemment. Voilà. Nous pouvons dire que ça ira. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Which is straw, right? Kampai. Pie. Tarte. The straw. Oh, pie. Oh, pie, yeah, as I said, yeah. I was speaking about pie. Oh, how do you say pie? Pie, tarte. Oh, tart. T-A-R-T-E? Exactly. Yeah. Tarte. How do you say tartar sauce? Sauce tartare. Okay, so not a tartar sauce at all. Yeah. We speak a different language. Yeah. Okay. Except for pedophile. Yeah. Except for lots of transparent words. There really are, but not as many as I would hope. Because I did get two of your questions up. Just by hearing it. Yeah. It's true. Yeah, you did well. Pretty smart. And you will learn a lot with. Yeah. I got the headphones on still. Yeah. I look special. It's true. Thank you very much for being here in answer to to our question. Thank you. And have a nice weekend. You too. Thank you. Comment dire, have a nice weekend. Passe un bon weekend. Passe un bon weekend. Passe un bon weekend. Thank you. Pédophile. En tout cas, personnellement, je vous dis à la prochaine. Nous allons continuer, le live continue. Nous allons voir ce que nous allons faire après. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Et à tout à l'heure. Avec amour.